Bonjour à tous. Ce matin, on a perdu un soldat. Il y a Li Wen, mais Mylon n'est pas là. Il s'est fait mal à la jambe hier au jiu-jitsu. Il a dû se prendre une béquille ou un truc comme ça. Hier, il avait un tout petit peu mal, mais ce matin, impossible de marcher. Enfin, dans la nuit, il est allé voir ma femme. Il disait qu'il avait trop mal, donc on va aller quand même faire une radio ou voir un truc qui a rien de trop grave. Mais en tout cas, voilà. Un blessé de guerre. Ouais, regardez-moi. Vas-y, marche. 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 Ouais. Vas-y, va jusqu'au canapé. Parce que cette nuit, impossible. On l'a porté ce matin pour l'amener au déjeuner. Et là... Ça va, mais il marche normal. Non, mais oui, mais c'est normal. Il doit avoir juste une douleur. Il a dû prendre une béquille ou un truc comme ça. C'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital. Demain, ça ira bon. Je sens que c'est un cinéma. Je sais pas pourquoi. Je sens que c'est un gros ciné. Mais par contre... Ah ouais, bah pour jouer, t'es pas fatigué, ouais. T'as pas mal. Vas-y, fais-moi un petit aller-retour en courant là-bas et je joue avec toi. Essaye de courir. Non, ça va, il a quand même un peu mal. Bon, et la vidéo que j'ai postée hier sur TikTok, que je vous ai mis sur le Snap, là, je l'ai supprimée. Je me suis réveillé ce matin. Mon premier truc stylé que je me réveille et tout, c'est regarder un peu les vues, les commentaires, les trucs de mes TikTok. Et là, je vois qu'il y a eu un sous-sail. Elle a été vue que par 8000 personnes. Ça va, ça m'est jamais arrivé. Donc, j'ai pas assumé. J'ai supprimé, je vais la reposter aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a eu un bug. Je pense que TikTok est tombé en panne ou il y a un problème. Parce que. Parce qu'il a moins mal. Je pense qu'il a juste pris une béquille. Et que comme il connaissait pas la douleur, il avait super mal sur le moment. Mais je pense que ça va s'améliorer. Il a juste besoin de repos. Et demain, ça ira mieux. Donc, on va voir. Alors c'est parce que la vidéo que j'ai enregistrée, elle est de Snap, mais sinon le son est excellent. Si vous allez les voir sur TikTok ou sur Insta, parce que c'est avec un micro. Donc ouais, après quand je la charge directement sur Snap, peut-être que le son est pas bon, mais moi quand je l'écoute, il me paraît bon, donc je comprends pas. Parti, j'ai fait ma fille là, let's go. 14h, elle va aller à la sieste directement en train. Et moi j'ai une réunion, j'ai un zoom tout à l'heure, à 15h30, droite. Les amis, j'ai besoin de vous, par rapport à mon contenu TikTok, pour ceux qui aiment, bien sûr, je demande la réponse, ceux qui aiment pas ou que ça les intéresse pas, pas besoin de répondre. Je vais réduire le nombre de vidéos parce que je pourrais pas être productif. Une vidéo par jour, c'est quand j'ai le temps, c'est bien, mais quand j'ai pas le temps, c'est compliqué. Ah, guys. Mais par contre, parce que j'avais envie de beaucoup maigrir. Tout simplement, j'avais envie de maigrir. C'est vraiment une question sérieuse, ça. Est-ce que quelqu'un dans ce monde sait combien il a de cheveux sur le crâne? Ah ben, je vais l'enlever alors. Merci de ta remarque. Oui, on part en vacances en France. T'es en train de lutter? T'es en train de lutter pour faire dodo? Non. Si, t'as envie de faire dodo? Non. Non? Alors non, Patricia, si je peux te rassurer, il y a beaucoup de choses et je m'intéresse souvent. D'ailleurs, plus aux choses qui ne me rapportent rien plutôt qu'aux choses qui me rapportent de l'argent. Et voilà, peut-être que vous avez des questions bizarres aujourd'hui. Parce que dans la résidence, c'est pratique de se déplacer en voiturette. Tu prends l'air, ça fait plaisir, ça fait une balade. Si tu veux savoir réellement, par exemple, là, faire des vidéos sur TikTok, ça me rapporte 0 euro, absolument 0. Voilà, je ne suis même pas rémunéré sur TikTok, le compte a été créé à Dubaï. Donc j'ai 0. Que les vidéos fassent 0, 2 minutes, 10 minutes, 100 minutes, ce que tu veux. Donc ça, je fais vraiment ça par kiff parce que j'aime m'habiller et j'aime les chaussures. Alors aujourd'hui, Li Wen finissait à 14h ici à Dubaï. Les enfants finissent à 14h du moins à la maternelle. Après, je crois que c'est 15h30. Et en fait, nous, on les met dans des activités extra et intrascolaires qui fait qu'ils finissent à 15h30, sauf le jeudi. Mylon était malade, enfin malade, il avait mal aux pieds, donc il est resté. Et Li Wen, je suis allé la chercher à 14h. Après, elle a fait sa sieste et là, elle s'est réveillée. Ouais, j'ai une démarche trop bizarre avec mes pieds, je marche en canard. Et Mylon, écoutez, vous avez remarqué qu'il marche pareil que moi, j'y suis pour rien. Hein. Il prend exemple et malheureusement sur un mauvais exemple. Enfin, je sais pas, à part peut-être si c'est génétique, j'en sais rien. Mais ouais. Et d'ailleurs, Li Wen, elle a hérité de mon crâne plat. Crâne plat qu'on voit bien là.